Chaque jour, sorti 7h matin, sur Radio 1 96.1 FM avec Dashka, Alexandre, Joanna, Karel. The Morning Show, c'est en pile musique, information où doit qu'on est, et belle conversation. Bon raison pour tendre radio chaque matin. Chaque matin. Chocarella a présenté The Morning Show. Chaque jour, sorti 7h matin. Sur Radio 1 96.1 FM avec Dashka, Alexandre, Joanna, Karel. The Morning Show, c'est en pile musique, information où doit qu'on est, et belle conversation. Belle conversation va continuer malgré Karel pas là. Belle conversation toujours à continuer. Nous toujours là. Dashka, Joanna, Alexandro, oui. L'équipe de The Morning Show. Équipe là, c'est pas Karel seulement. Karel pas là. Bon voyage, Karel. Et nous espérons nous là. Nous espérons que l'estressé, le diable, l'estressé, pas de l'aptin de nous. Ou en forme, Joanna, ou en forme. Monsieur? Oui. Ah, okay. Tu n'as même pas essayé. Tu n'as pas confiance en moi. Alexandre, on doit bon. Excuse-moi, nous allons obliger de jouer nos formules pour, parce qu'il y a deux Joanna au studio. Joanna, on va dire Joanna A, B ou 1, 2. Joanna prime, Joanna second. Sérieux. Non, il faut vraiment trouver une formule parce qu'il y a deux Joanna. Okay. Les filles, vous allez introduire notre invité qui s'appelle Joanna. Justement. Non, je laisse le soin à Joanna. Présentez Joanna. Joanna, second. Ok. Joanna, c'est tout. T'as présenté nous. Il y a un bel invité qui est ensemble avec lui qui c'est Joanna Sylvain Joseph qui remporte le prix jeunesse francophone. Il y a un prix international. Félicitations, ma chère. Comment y est? Bonjour tout le monde, bonjour tout auditeur, yo. Bonjour tout présentateur Morning Show. Yo. Mm-hmm, merci mm-hmm. Joanna. Et ça, non, c'est intéressant. Ça sera très difficile d'avoir deux Joanna là en même temps. C'est toujours comme ça, hein? Oui, c'est pas la première fois. Donc, ma première, c'est nous du fait que nous invitons jeudi. Hein. Ma première, c'est Dashka. Ma première, c'est nous qui permettent moi de venir assister avec nous dans l'émission. Ça. Alors, prix jeunesse francophonie, m'a juste fait une correction tout petit. Alors, prix jeunesse francophonie, son concours international. Année, ça a été 290 jeunes de 35 pays sur 4 continents. Avant nous, il vient prix jeunesse francophonie. J'aimerais bien savoir qui est Joanna. Qui est Joanna Joseph Sylvain. OK. Joanna Joseph, son monde normal, c'est un avocat de profession qui est inscrit dans le barreau de Port-au-Prince, qui est Haïti, en Haïti depuis 6 ans, et puis qui a travaillé, qui a milité dans le domaine droit femme et éducation civique, et puis tout autre type de travail qui fait que il était reconnu dans le prix ça. OK, mais on sait aussi que Joanna est avocate, si je ne m'abuse. Oui, je suis avocate. J'ai barreau de Port-au-Prince, inscrite au barreau de Port-au-Prince depuis 2013-2014. Mm-hmm. Et je suis également... Et j'ai monté mon bureau d'avocat depuis 2 ans maintenant, 2 ans et demi. Donc, voilà, c'est ça. Je travaille beaucoup dans mon domaine. En fait, c'est mon activité principale. Et c'est de par mon activité, ma profession, que je peux faire toutes les autres choses que je fais dans la société et pour la défense et protection des droits de l'homme. Donc, je travaille beaucoup dans tout ce qui est législation et au niveau de refonte de la législation avec la protection des femmes, comme si au niveau du Parlement, il y a très peu de lois qui sont actuellement en vigueur. Et c'est refaire totalement ce qui est déjà mis en place et essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'avenir. D'accord? Okay. Et pour le moment, en Haïti, il y a une loi, la loi Dieu donne l'humain, qui est passée pour, contre la violence faite aux femmes. Mm-hmm. Mais elle n'est pas encore passée. Elle est au Parlement. Elle n'a pas encore été adoptée. Il y a eu le dépôt de la loi qui a été faite le 3 avril 2018, qui est le jour des femmes haïtiennes, des féministes haïtiennes. OK, intéressant. Donc, on peut dire que Joanna est une militante, elle est avocate, mais aussi elle défend les droits de la femme. Oui. Donc, parlant de droits de la femme, nous connaissons tout comme une initiatrice de conversation essentielle. Parlez-nous, dis-nous qui s'allie exactement avant qu'on aboutisse dans le sujet principal. Là. OK. Et conversation essentielle, j'en ai dit, hein, son baril que moi j'ai commencé avant, c'était en cause qui n'a pas de gain, non? Et nous sommes venus là dans le premier. Et
et causerie, nous t'ai parlé de ça ici là, nous t'ai parlé de femmes professionnelles défi en jeu et perspective. C'était une belle causerie qui t'ai réuni soit plus de 70 personnes. Dans un second temps, moi j'ai décidé d'associer avec Martine Denis Chandler pour nous bailler un produit de plus de qualité. Donc maintenant, c'est ma copartenaire et la co-organisatrice de Conversations Essentielles. Mais pour qui ça t'es décidé de venir sur pied avec une idée? Une idée comme ça? Moi t'ai voulu venir avec lui parce que moi t'ai ouais que nous t'ai en manque de ça, t'ai gagné un bagage qui t'a fait nous mesdames yon dans plusieurs côtés dans société a yon dans plusieurs positions mais nous pas ouais yon nous pas attendre yon et puis le plus souvent nous minimiser les son filles qui font bagage alors que les son garçon qui fait li la pour la monter sur radio la parler la parle de initiative li mm-hmm. Mais les mesdames yon c'est surtout éducation société a qui fait ça mesdames yon ti jan pi réservé dans tout ça y a fait donc c'est pour ça que même moi t'ai décidé venir avec on produit qui te mettait les femmes haïtiennes en valeur, les femmes haïtiennes en valeur dans tout côté dans la société, que ce soit dans le domaine droit, parce que moi, avocat, je milite dans le barreau de Port-au-Prince, je travaille dans le secteur des affaires, mais aussi secrétaire général du conseil d'administration de la Chambre Franco. Mm-hmm. Mesdames qui sont dans le secteur privé ou la parole, mesdames qui sont dans le secteur public, je fais un genre pour tout le monde joindre dans le bagage pour dire ce que ça a fait et qui impact que gagne dans la société. Bel package. Habituellement, qui côté nous qu'on fait une cause dans une conversation essentielle? Alors, conversation essentielle, pas un espace défini. Okay. Premier lancement, nous avons fait un d'HKTLA, là, c'était Best mm-hmm. Western. Yeah. Et après ça, nous avons fait un El Rancho, et puis ça varie, quoi. On n'a pas un lieu bien spécifique. Pas prêter trop sur conversation essentielle, mais nous faisons l'objectif pour nous chercher mesdames de Yoa qui a fait de bons bagages, voilà. Nous par contre, côté Yoa pour nous rejoindre. Yeah. Est-ce que nous pas pensé à faire des côtés qui. Puis accessible par rapport avec population, je veux dire, au lieu de nous rester dans les hauteurs de Pétionville, est-ce que nous pensons à aller dans le centre-ville si nous pouvons faire ça? Ok, il y a un monde qui t'a approché moi, qui pouvait proposer, mais si je vais faire le focal, oui. Mais là c'est en discussion pour nous, ouais, exactement, parce que nous t'es fait commencer, leur fait commencer, c'est pas facile pour jouer un partenaire, mm-hmm, vous comprenez? Mm-hmm. Donc ça veut dire là, on va pas avancer, des fois, on n'a pas à quoi dans ça va faire, donc c'est vous-même qui pourrez une tête ou crédit, bah, après pour un autre monde quoi dans vous. Donc c'est ça nous t'es essayé de faire, donc on attend pour nous, et qui côté nous t'es fait, et qui côté qui t'a accueilli nous, parce que le problème que nous gagnons, c'est toujours full. Conversation essentielle, minimum moun ki genyen, c'est premier cause direct fait dans ti bureau nan, t'as chaté là tout, mm-hmm. C'était 70 moun, nous t'ap tann 40 moun, heureusement que nous collecté chaises tout bay sa yo pour nous faire arriver 70. Mais Best Western nous t'ai plus que 200 personnes, El Rancho c'était plus de 250 personnes, donc on a toujours c'est du bien, monde. Donc bien. Pour nous allons côté, faut nous assurer que ça là assez grand pour lui prendre capacité de moun qui vient assister nous, qui toujours avec nous et ma première remercier tout participant qui toujours là avec nous. Militante, avocate, m'a quitté tout à l'heure, Deshka. Je connais qu'on paquet package. Est-ce que c'est possible pour nous connaître à peu près environ dans quelle période où il y a une tranche d'âge là? Parce que pour pas tout ça, on règle. La radio, hein? S'il vous plaît. Je sais pas. Oui, alors c'est vrai que vous avez un bel parcours jusqu'à date, mais parlez-nous Kounia de prix jeunesse francophone. Ok, c'est qui ça lié exactement? Ok, prix jeunesse francophonie, c'est un prix qui récompense 35 jeunes de moins de 35 ans dans tout l'espace francophone. Donc 35 jeunes de différentes catégories. Donc dans l'émission ça. Concours ça. Non, coco là. Nous comprenons. Oui, nous comprenons, nous comprenons. Non, coco ça. Et année ça, il y a 290 jeunes qui étaient postulés de 35 pays et de 4 continents. Et dans 290 jeunes, il y a 35. Dans 35, il y a un certain nombre de finalistes. Donc, mais nous, c'est toujours 35 jeunes qui font bouger l'espace de la francophonie en 2018. Donc, nous sortons de tous côtés, nous sortons du Canada, nous sortons du Rwanda, nous sortons du Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, il y a en pile. Et nous sommes seuls haïtiens. Et moi, j'espère que l'année prochaine, il y a plus haïtiens qui participent. Alors, processus était assez compliqué et à un moment donné, si on ne nous pas assez, comme si ou pas on battant pour aller jusqu'au bout, ou à commencer concoulant, ou à bail vague. Parce que bah, là, tellement compliqué, formulaire pour remplir, monde qui pour voter pour vous, tout bagage c'est au cap feyo et puis. Bon jury qui là, jury en son jury qui constitué de plusieurs autres monde et que nous que pas même connaît que pas jamais rencontré qui analysé 290 monde qui kembe 35 jeunes et de 35 jeunes et puis chaque monde sorti dans catégorie. Mais qui ça qui t'est poussé à participer dans concours ça?
Moi, je voulais gagner une reconnaissance à l'international. Okay. Je voulais voir qui ça activité que m'a fait yo, parce qu'en Haïti le plus souvent on gagne un bad corps et puis pas jamais mon monde qui tout pas pour mon bagage. Justement. Moi, t'as sous page francophonie et puis moi, t'es ouais que dans liste appel à candidature yo, moi, t'es ouais t'es gagné les. Moi, j'ai décidé de postuler. Donc, j'ai postulé, ils ont répondu à moi, ils ont dit, bon, ça, mais qui étape, prochaine étape, prochaine étape, prochaine étape. Au fur et à mesure, moi, je suis étape. Et puis, jury a décidé qu'un bim, dans la première catégorie de plaidoyer société civile. Parce que j'ai plusieurs premiers prix. J'ai premier prix entrepreneuriat, j'ai premier prix environnement. Donc, ça veut dire, c'est moi-même, moi, sorti lauréat dans la catégorie PAM. Ok, tu as besoin de prouver tes tout pour comme si tu as fait bon bagage. Est-ce que tu as un support population? Parce que tu as un côté, c'est voter pour voter, voter ou. Est-ce que tu es arrivé ouais côté jeune support? Est-ce qu'un peu monde t'a voté ou bien comment ça t'est? Vote l'intentigeant difficile. Bon, haïtien, je te supporte, je suis là avec toi. Est-ce que tu pouvais à travers ton pas vraiment. Et moi j'ai gain vote certes, mais moi pas gain vote que pour une population qui derrière un monde, d'accord? Okay. Et moi t'ai seul moi-même, t'ai gain quelques monde qui t'ai relayé demande moi en sur et réseaux sociaux yo, qui t'ai postulé, qui t'ai montré, qui t'ai dit ah et que tel monde a participé à tel prix, essayer voter pour lui, mais qui processus étape 1, t'ai font petit bagage, t'ai mettre sur Facebook là, t'ai mettre sur LinkedIn. Sous page mayo réseaux sociaux et puis me permettre pour mon yo suivre et instruction pour y arriver à vote là, mais vote que vous me ta joindre là c'est pas vote ça yo qui vous ta permettre, mais heureusement tout est un jury qui t'a analysé et c'est jury qui a l'impression qui sauver moi. Voilà, donc ça veut dire que jury a gagné un pourcentage de points que vous devez gagner en faveur en faveur yo, parce que il a pas analysé tout dossier parce que vous gagnez des preuves de son fait. Donc yo mando et lien toute page et réseaux sociaux où yo mande yo comme si des photos, yo mande des vidéos à l'appui et puis bon moi son monde bon nous des jeunes comme nous maintenant, c'est à l'heure des réseaux sociaux, donc tout ça ne fait mettre sur Facebook, on mettre sur réseaux sociaux et c'est ça qui t'a sauvé avec jury. C'est bien. Donc c'est eux-mêmes il a analysé en fonction de qui ça m'a été fait jusqu'à présent pour yo te ca permettre pour yo intégrer dans lauréat catégorie et plaidoyer société civile. Et expérience là comment ça t'est de manière générale? De manière générale, c'était bien, c'était extraordinaire parce que mal non pays côté moi, il y a un développement pays qui a parlé. Moi même précision. Et développement international et regarder comme si ouais des grosses infrastructures, regarder ouais tout ça mon a bien fait, comme si on route map fait route là gagne 5 niveaux, OK? Donc on regarder ouais comme si que ou même et gagne en pile blocus. Donc imagine que comme si c'est Haïti t'es arrivé franchi un petit cap ou moins gagne deux autoroutes. Et problème qui gagne c'est que nous-mêmes nous pas sensibiliser population hein, à ce que yo comprendre que pour yo payer taxe, pour yo payer tout bagage ça yo, c'est permettre un meilleur développement. Et même meilleur développement inclut tout réduction des comptes. Ça veut dire m'a payer telle taxe, moi connais que taxe ça li vaut pour tel bagaille. Est-ce qu'on comprend qui dépense qui fait, qui j'en dépense? Et j'ai l'impression que c'est ça pour nous, anti-gens, pousser plus sous population, hein, on plaidoyer pour nous faire, pour nous comprendre, on fait une sensibilisation pour pousser pour nous comprendre qui ça pour faire pour un pays développé. Justement, au-delà de lauréat que lauréat dans concours, expérience qui ça porté pour et qui ça qui change la caou dans façon que ouais bagaille et dans façon que ou pral appliquer tout ça apprendre. Qui ça qui change la caou de monde qui t'a dans compétition à monde qui saute dans compétition. OK, les mal Côte d'Ivoire, c'est Johanna là et d'Haïti qui a été. Justement. Quand je suis revenu, mon petit parti Côte d'Ivoire là quand même parce que moi ouais que en tant que jeune ou même nous toutes supposé mettez main à l'impact pour essayer de développer le pays. Ça. Parce que nous avons un bel pays, pas gagné que nous avons envie à un autre île, à un autre pays en Afrique. C'est pour nous essayer de penser différemment. Et même tellement gagné d'idées, même marcher, même garder belle bagaille. Et puis, je me dis, pour qui ça, ça n'a pas de café d'Haïti? Pour qui ça? Et puis, moi-même, je dis comme ça que c'est pour nous retourner, pour moi, qui ça nous a fait ensemble pour nous faire comme si dans le demain, est-ce que je dis, c'est moi seulement qui a représenté Haïti? Demain d'Ashkaka aller pour la représenter par rapport à Créola. Johanna ka aller dans journaliste, tout monde ka aller et j'ai l'impression année dernière tu gagne Michel Joseph qui t'a remporté plusieurs prix. Michel Joseph t'a remporté au moins 3 prix, il t'a remporté inspiration francophone. Mais qui ça coûte, qui est-ce qui compte ça? À part un article qui sorti par une personne qui parlait, c'est quoi le suivi exactement? C'est quoi le suivi qui est fait? Et c'est ça que je trouve dommage parce que je regarde le représentant du Tchad, il est retourné au Tchad, c'est ça me t'a dit tout à l'heure. Il retournait
li jwenn nou akèy, li gen suivi, yo mete jeunesse la an avan, yo bay jeune initiative yo de l'importance parce que c'est nous même qui futur de demain. Mwen rive en Afrique, m tellement saisi comme si mwen était Côte d'Ivoire, m di oh, moun yo prend tant qu'on jeune leader, yo prend tant que c'est le tout, c'est toi le futur de demain. Mm-hmm. Et c'est ça que mwen t'ai apprécié et mwen di que comme si initiative ça yo faut ta faire au plus pour haïtien à participer dans un concours international pour avoir importance là. C'est pas parce que mwen connais XY, mwen pa connais personne Côte d'Ivoire. Mm-hmm. OK? Et malgré tout, mwen fini première dans catégorie là et moi dit que moi pas chanceuse mais c'est parce que c'est force travail moi qui m'était là d'accord donc même moi t'a rémé que ou même demain dans prochaine catégorie dans prochain concours là on aller ou aller montrer comme si qui ça travaille en tant que journaliste en Haïti yeah, OK qui défi qui sont faire et qui sont gagner comme perspective pour l'avenir et c'est ça que même moi voulais que année prochaine que nous plus participer dans concours ça et qu'on y a retourné avec premier prix jeunesse francophonie. Et comment le gouvernement ou bien l'État haïtien recevoir, comment ça t'est, comment accueille l'intérêt l'autre au en Haïti? Non, c'est sûrement quand même. Il n'y a pas d'où aller, mais oui, d'où tourner. Une compétition qui est très serrée devant plusieurs pays, plusieurs jeunes qui ont même toi fait bon bagaille, mais c'est où ils ont choisi, comment ça, comment accueille l'été en Haïti, leur retourner sur Côte d'Ivoire? Bon. Est-ce qu'il y a eu un accueil? Hein? C'est la oui. question qu'on se pose. Non. Il n'y a pas eu d'accueil. OK. OK. Mais donc, en tout cas, The Morning Show. The Morning Show, donc justement, moi, très apprécié. Les gens, carré les miens, je me dis, je ne sais pas si je connais, si je me tape bien courage pour me lever, pour me. Avec décalage horaire là, mais moi remercie en pile du fait que tu penser à moi, moi remercie nous toutes que nous t'ai permettre moi participer là. Alors ma pour reprendre un bagage, c'est première catégorie, premier prix, catégorie plaidoyer société civile. Exactement. Parce que le concours n'a pas un premier prix en soi, il a un premier prix dans chaque catégorie. Voilà, exactement. Now alors, what's next? Qui plan kounya, qui projet ou qui next qui soit travailler kounya? Bon, moi tout n'est hier. Mais avant on répond une question ça. Qui sort penser que prix ça capoté la caou l'a fin remporter lui. OK, ça remporter la caou c'est permettre moi continuer bataille m'a mener yo, continuer initiative m'a faire yo, impliquer plus dans droit femme en Haïti, dans différents secteurs. L'aime dit droit femme, c'est pas seulement comme si comme mon féministe et comme si en Haïti cap travail dans violence faite aux femmes. Est-ce que tu vois tout ça contre la violence faite aux femmes? Moi voulais développer la femme en matière de entrepreneuriat, en matière de agent de développement, en matière de protection de l'environnement. Qui ça nous même nous ca faire pour nous ca pousser à ce que nous suspendre couper pied bois, nous apprendre planter, nous aller dans l'école, nous dit timon dans lui même faut apprendre planter pied bois, nous faire éducation civique. Si nous pas penser éducation, nous pas bien changement et l'éducation c'est le moteur de développement. D'où question Alexandre a tout vienne poser là. Qui projet? Projet m'a continuer travailler sur ça m'a fait yo, moi j'ai un pile projet qui bouille dans tête moi rencontre un pile monde Côte d'Ivoire, nous rencontre un pile entrepreneurs, start-up qui mettait sous place, nous rencontre ministre Gabon qui t'ai fait déplacement, qui t'ai venu assister dans finale jeunesse francophonie, nous t'ai recevoir ambassadeur Bruxelles qui était là, ambassadeur Benelux, représentant francophonie qui était là, organisation internationale de la francophonie, tout le monde ça était là et c'est des monde qui t'ai vraiment poussé nous à ce que nous continuer bataille nous engager auprès de communauté nous parce que chaque grain monde qui était là moi passé devant Canada avec Côte d'Ivoire et c'est de grands pays qui déjà loin dans plaidoyer à faire auprès de société civile et moi même moi arrivé premier et me pensais que puis ça supposé un booster pour moi pour me continuer ça m'a fait dans société avec concours toute l'autre jeune. Important. Alors, n'a rappelé auditeur yo, surtout tout monde qui suit live là, que nous t'ai ensemble avec nous madame maître Johanna Joseph Sylvain qui souhaite remporter prix francophone 35 catégorie plaidoyer société. Et ben voilà, c'est un plaisir pour The Morning Show de recevoir au matin hein? Et nous espérons que travail là la continuer et que justement on va arriver porter bonne information, on va arriver m'pa connait gain l'autre monde l'autre jeune qui a suivi vous et pour toujours été tant pour un modèle. En tout cas, très bon travail encore félicitations. D'accord. Yes, n'importe. Moi pas voulu penser que les m'a parlé pour me dire que moi pas de jeune accueil que c'est bon voilà moi même c'est du passé là parce que moi t'ai allé me tourner c'est yes. fini donc faut nous passer autrement aller de l'avant pour l'autre jeune qui a fini pour au moins gagner assez dans gens yo fait dans l'autre pays Bénin gagne monde qui a recevoir tout monde ça gagne monde qui a recevoir qui
permettre yo gain assez de subventions pour yo ka, comme si des primes de récompense de reconnaissance pour permettre continuer l'initiative là pour au moins que nous joignons un processus d'accompagnement que ce soit du secteur public et aussi du secteur privé d'accord comme si secteur privé était qu'à déplacer tout est-ce que tu vois donc pour la prochaine année pour yo même pour yo venir avec accompagnement lauréat. Et voilà, donc pour ceux qui suivent le live, on vous montre le trophée. Voilà. Voilà. Désolée pour les auditeurs. Donc, c'était avec vous, Maître Johanna, Sylvain, Joseph. Rite branché, n'a pas tourné une genou dans un petit moment. Justement, et n'a pas tourné à l'heure, n'a pas posé, n'a pas fait photo. Ah oui, yes. N'a pas tourné à l'heure pour reste émission.